On ne présente plus, M6, et chef reconnu, son restaurant parisien Marsan a obtenu 2 étoiles. Et son établissement londonien de Connaught a été décoré de 3 étoiles cette année. La femme de 54 ans a réussi professionnellement mais aussi personnellement. Libération dédie son portrait du jour dans son édition du 24 août 2021. Dans celui-ci, la star des fourneaux se livre sur ses filles et leur adoption. Hélène Darroze est passionnée par son métier et y a dédié sa vie mais à l'approche de ses 40 ans. Elle a souhaité concrétiser un rêve, celui de devenir mère. Elle a choisi l'adoption. Projet qu'elle avait en tête depuis qu'elle est adolescente. J'aurais bien voulu être enceinte aussi. Mais à partir du moment où je n'avais pas un homme avec qui j'avais envie de construire ça. Point. Confie-t-elle sans détour. Direction donc le Vietnam pour accueillir Charlotte, 14 ans, et Kitri, 11 ans, dans sa vie, en 2007 et en 2009. Encline à la confidence, elle raconte au journal que l'aîné lui ressemble dans tout ce qui est attention aux autres. Ça lui fait peur parce qu'elle a pu avoir le sentiment d'être un peu bouffée par ça. Poursuit-elle. Quant à Kitri, elle la qualifie de plus cool, plus légère et elle l'envie pour ça. La chef confie en effet avoir manqué de légèreté plus jeune. Si l'adoption de ses filles a changé sa vie, Hélène Darroze raconte qu'elle lui a aussi permis de se faire une amie, Laetitia Hallyday. Ensemble, elles ont surmonté la complexité des démarches, l'adoption nous a beaucoup rapprochés. C'est long, l'agrément, 9 mois, comme une grossesse. Elle m'a donné de bons conseils. La première réunion à la DDASS, je ne me suis dit que je n'y arriverais jamais. Ils vous détruisent le moral. Je l'ai appelée, elle m'a soutenue. Laetitia Hallyday est la mère de 2 filles adoptées au Vietnam, Jade, 17 ans, et Joy, 13 ans,